Eh bien salut à tous les amis, c'est Virtuo, j'espère vraiment que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 pour un tout nouveau glitch de Wallbrecht. Bref, je viens de chanter mais bon c'est pas très grave, on n'est pas sur The Voice. Donc pour cette vidéo je veux présenter tout simplement un petit Wallbrecht. Ce Wallbrecht est fort intéressant pour la fin de la vidéo, étant donné que je vous proposerai une petite hypothèse qui m'a été proposée par un abonné. Je vous en dirai plus en fin de vidéo, mais le plus intéressant c'est le Wallbrecht pour rentrer dans la maison de Madrazo. Donc beaucoup de personnes le connaissent, mais l'hypothèse se plonge là-dessus. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer cela. Donc certes que c'est pas intéressant à faire soi-même, mais c'est plus intéressant à voir visuellement. Donc pour entrer dans la maison de Madrazo, pour ceux qui seraient tentés, vous allez devoir tout simplement vous rendre à cet endroit là. Donc vous rendez ici dans la maison de Madrazo, donc elle se situe ici. Donc en attendant je vais tout simplement vous inviter à me rejoindre sur mon groupe Facebook et ma page Facebook. Si jamais vous cherchez des personnes pour réaliser les glitches que je fais en vidéo, n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre, je vous ai mis les liens dans la description. Et si jamais vous voulez me rejoindre sur Twitter, je balance de temps en temps des photos assez what the fuck. Comme hier, j'ai balancé une photo où j'avais transformé ma Buffalo en voiture de F1 sans forcément utiliser de logiciel, grâce à GTA 5 et grâce au patch que Rockstar a tout simplement mis. Ils l'ont mis hier soir avec la micro-mage. Et du coup, je vous mettrai ce screen dans la description pour ceux qui seraient intéressés de voir ça. C'est assez drôle et je vous demanderai tout simplement de commenter avec votre avis. Vous donner votre avis. Donc une fois à la maison de Madrazo, vous allez tout simplement vous rendre avec une moto et tout simplement essayer de monter sur le petit toit qui se trouve là où je viens de me fail encore une fois. Même tout seul j'arrive à me fail parce que ça fait déjà 3 fois qu'on recommence la vidéo. Parce qu'en fait les deux premières fois je l'ai fait avec Avenger. Et la troisième fois je l'ai raté, je viens de la rater. Et là on va dire que c'est un peu la quatrième fois. Donc vous devez tout simplement monter sur le toit de cette maison, mais je n'y arrive vraiment pas. Je crois que c'est vraiment pas mon jour de chance. Par contre, je fais de jolis stunts, si on peut appeler ça des stunts, je ne sais pas, mais c'est pas très grave. Tout ça, c'est. Alors, donc on va tout simplement essayer de monter sur la montagne. Et oui, j'ai réussi. Donc, une fois sur le toit de cette maison, vous allez tout simplement accélérer et vous rendre sur le toit de cette maison là. Donc il faut impérativement faire cette petite manipulation en vélo, en moto et non pas en à pied ou en voiture, étant donné que après vous ne pourrez pas rentrer dans le Wallbrecht. Donc une fois que vous êtes ici, vous allez tout simplement essayer de passer à travers ce mur et vous pouvez voir qu'on peut passer à travers avec la moto, mais si vous tentez de passer à travers à pied vous ne pourrez pas. Donc là l'hypothèse va commencer. Donc là vous pouvez déjà voir que je suis dans la maison de chez Madrazo. C'est assez modélisé, vraiment c'est assez joli. Et en gros si vous allez trop loin et que vous faites ça, vous allez tomber dans le vide. Donc évitez d'aller trop loin. Donc l'hypothèse de mon abonné, donc je vous mettrai une image dans la description. Donc ça a été proposé par un abonné comme je viens de le dire. Il m'a envoyé ça par un message privé, je te fais une dédicace d'ailleurs. Donc Rockstar durant la mise à jour 1.13 ils avaient tout simplement poster une image avec un personnage qui prenait une photo juste ici. Donc vous pourrez voir cette photo dans la description. Et dans cette photo on peut tout simplement voir exactement le même intérieur. Alors pourquoi pas un style d'intérieur pour les villas qui arriveraient très prochainement. Donc je n'ai pas de date, donc ne me demandez pas quand arrivera la mise à jour. Je ne sais pas, hein. De toute manière on attend que Rockstar publie des annonces et des news, mais pour le moment je n'ai rien. Alors pourquoi pas l'intérieur des villas serait de ce style là et pourquoi pas des villas se trouveraient tout simplement à proximité de l'endroit où Madrazo vit. Donc si vous allez dans cette pièce là vous allez tomber dans le vide, et si vous tentez d'aller plus loin par ici vous pouvez le voir ici. Ça a l'air d'être de la moquette, mais on ne peut pas on peut rien faire. Si on va dedans on passe à travers. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit glitch vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à lâcher tous vos avis dans l'espace commentaire, à donner votre avis pour l'hypothèse. Nous du coup on va se retrouver dans de prochaines vidéos, que ce soit sur GTA 5 ou d'autres jeux. Je vous invite aussi à lâcher un petit like et un petit partage, ça me ferait énormément plaisir. Et du coup voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like, un partage, un commentaire. Et ciao bye bye tout le monde.